Je n'ai pas d'autre solution que celle-là. Ma mère ne t'acceptera pas avant le jour de la résurrection. Rasa, son comportement n'est pas bon. Cher papa nous soutient. Pourquoi es-tu inquiet? Mais il n'a aucune emprise sur rien. J'en suis bien conscient. Mariam. Aujourd'hui, c'est le nouveau départ de nos vies. Nous devrions clarifier les choses entre nous. Je ne te trahirai jamais. Je vous aimerai toujours. Mon cher, je suis un être humain. Et les humains font des erreurs. Que veux-tu dire? Ça veut dire. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ce que disent mes parents n'a pas d'importance. Je me suis mis en quatre pour toi. Ce n'est pas seulement parce que je t'aime, mais parce que tu es ma responsabilité. Je comprends. Souviens-toi d'une chose. Tu es mon amour. Et je suis fier de mon amour. Si tu as amené Mariam dans cette maison avec ton testament, cela ne serait pas arrivé. Tu aurais dû te comporter raisonnablement. Je suis sortie un jour. Tu as amené Mariam dans cette maison. Samy, tu ne t'en souciais même pas. Tu n'y as même pas pensé pour une fois. Ce que je ferai quand je saurai. Je t'ai dit que je ne savais pas. Que Rasa l'amènera. Je n'y crois pas. Maintenant, accepte ta belle-fille. Non. Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'ai pas ramenée. Rasa l'a amenée. Quand les enfants grandissent, nous devons agir avec sagesse. Et s'il se met en colère, il nous quitte. Il n'ira nulle part. Ne me fais pas peur. Tu ne peux pas avoir peur. Quand ton fils te quittera, alors tu te repentiras. Bien. Demandez à tout le monde à propos du dîner et apportez-moi aussi. Je pense. Tu as dîné chez Ujala. Rasa a emmené Mariam avec lui. Mais je sais très bien. Elle devra faire face à beaucoup d'obstacles chez sa belle-sœur. Même si c'est juste son mari, et une belle-mère et un beau-père. Maman, si quelque chose arrive à Mariam, nous demanderons le divorce. Pourquoi tu parles toujours de divorce? Le divorce est considéré comme un mauvais acte dans notre société. Est-ce que tu comprends? Oh hélas, chère mère, tu deviens vite émotive et tu te blesses bientôt. Je voulais dire qu'on ne laissera pas Mariam se stresser. Que Allah la bénisse. Puisse-t-elle vivre longtemps? En effet. Vous êtes prêts? J'envoie des billets. Oh non. Je veux que Mariam s'installe d'abord. Alors je viendrai. D'accord, chérie. Prends soin de toi. Au revoir.